Salut, salut, c'est Modak pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière aujourd'hui puisqu'on va aborder un tuto sur les jeux Windows sous Batocera. Car il y a une des fonctionnalités qui n'est pas forcément très connue qui permet tout simplement de pouvoir compresser son dossier de jeu d'installation en un seul et même fichier. Un fichier image en fait qui se nomme WSquashFS qui vous permet tout simplement de pouvoir exécuter le jeu uniquement via ce simple fichier qui va contenir en fait à l'intérieur le dossier d'installation du jeu ainsi que la structure Wine qui permet la bonne exécution du jeu. Alors on va voir ensemble la procédure à suivre. Donc j'ai pris le jeu Shantae and the Pirate Curse. Donc vous allez retrouver ici à l'intérieur l'ensemble des fichiers nécessaires pour exécuter le jeu, donc avec son exécutable, ainsi que le fichier autorun.cmd qui va contenir la commande de l'exécutable à lancer. Donc c'est pour indiquer bien entendu à Batocera quel fichier exécutable lancer pour exécuter le jeu. Ok, ici on trouve cmd égale entre crochets puisqu'il y a des espaces le nom du exécutable Shantae. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lancer le jeu une première fois pour que celui-ci puisse créer la structure Wine dans le dossier User Data Save Windows Proton. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va ouvrir le dossier Save dans Windows Save Proton qui contient maintenant le Shantae and the Pirate Curse, le fichier .wine qui a été créé à l'exécution du jeu. Donc celui-ci contient le dossier DOS/device/RIC, systemReg, userReg, userDevReg. Tout ça, ce sont les fichiers nécessaires pour Wine pour exécuter le jeu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier Game. Et celui-ci va donc contenir tout le dossier d'installation du jeu Shantae. On ouvre une autre fenêtre et je vais aller copier l'ensemble des fichiers du dossier .pc pour les coller dans le dossier Game du dossier Save Wine. Ok, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le fichier autorun.cmd pour le mettre à la racine du dossier Wine. Et donc on va éditer celui-ci pour le dire désormais que le dossier, l'exécutable Shantae and the Pirate Curse.exe va se trouver dans le dossier Game qu'on vient de créer à l'instant. On rajoute la commande dir égale game et on sauvegarde. Maintenant, depuis un terminal, on va se connecter en SSH sur Batocera et on va tout simplement se rendre dans le dossier User Data Save Windows Proton Shantae and the Pirate Curse.wine pour vérifier effectivement qu'on a bien notre dossier game et on a notre fichier autorun.cmd qui contient le dossier game à exécuter ainsi que la commande Shantae. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va compresser tout ça dans un fichier WSquashFS grâce à une commande mise à disposition par Batocera. Batocera Wine Windows Wine to SquashFS et entre guillemets, parce qu'on a des espaces, User Data Save Windows Proton Shantae and the Pirate Curse.wine. On appuie sur Entrée et le script va tout simplement compresser le dossier d'installation dans un fichier WSquashFS. Donc ici, sur notre dossier
de ROM Windows, on va retrouver le fichier wsquashfs qui vient d'être créé. On rafraîchit la liste des jeux. Et on se retrouve avec le nouveau fichier Shantae wsquashfs. Ok. Et on va le lancer pour vérifier qu'il fonctionne bien. Voilà, c'était un tuto un petit peu rapide. J'espère qu'il a été suffisamment clair. Donc n'hésitez pas à venir sur le Discord de Batocera si vous avez des questions, si vous voulez approfondir un petit peu plus et si vous n'avez pas tout compris, notamment sur cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous expliquer. Allez, à très bientôt. Salut, salut.